Bonsoir, merci Zepé Zouanou dans les studios de l'Express. Avant tout, bonne année 2023 et qui c'est l'année là, apôtre tout ce qui bon. Tout ce qui bon, c'est ce qui, ensemble avec l'équipe, nous voit apôtre c'est l'année là dans nos studios, je te connais très bien. Je connais la chanson, nous permet de découvrir ban artiste, ban politicien, ban personnalité qui a ban message intéressant pour faire passer. Et dans nos premières émissions de cette année, nous pouvons commencer avec un artiste, une jeune chanteuse qui a été découverte sur les réseaux, une tienne santé récemment. Nous pouvons commencer une émission avec Mel MP. Mel, bonsoir. Bonsoir Stiwell. Ça va? Correct toi. Ça va, tranquille. Alors, de ce qui nous est capable de causer au tout début, on appelle Mel MP, c'est un nom d'artiste. Ouvrez nom, c'est Mélissa Poudré. Oui. On a 19 ans, une habitante de Tayac. Mm-hmm. Et on fait une tienne santé qui appelle Envolée. Envolée. J'ai envie de découvrir un petit peu plus. Moi, ce que je comprends, Mel, il y en a aussi qui peut évoluer bien souvent sur les réseaux. Nous trouvons une petite vidéo sur TikTok. Exactement. Et récemment, nous trouvons la scène Enjoy. Comment ça finit de passer sorti sur les réseaux et trouvons sur la scène d'Enjoy comme ça? Du coup, il y a une nouvelle expérience, on va dire. Je ne suis pas attendre qu'il y ait un zoom pour faire la scène. Parce que tout le temps, je me retrouve moi derrière l'écran. Je fais une petite vidéo postée Facebook, TikTok. Mais j'ai beaucoup de propositions aussi. J'ai une mariée. Mais arrivé un moment, je me disais, pourquoi pas essayer? Et là, on essayait, on a content lui. On est content qui dit qu'on peut interagir avec nous. Et voilà, on vient, on est content. Et on a un démarrage assez particulier, parce que quand on cause, c'est que l'on comprend. Bien souvent, on connaît les années quand on peut faire le début, peut-être parler de la scène, je parle d'un studio, je parle de record. Mais où on rencontre un bon démon au bon moment. Ah, oui. Première rencontre, c'est Sandrine Julien. Et après, on va le retrouver avec Désiré François. Comment ça, cette histoire-là a commencé? Comment la transition a fini de faire? Ça veut dire tout a commencé, c'est quand moi j'ai 16 ans. Ok. Ok. Bon, je poste une petite vidéo quand je fais ma première vidéo envolée. Une petite vidéo dans l'école. Moi, je ne vais pas attendre que comme si ça pouvait être aussi viral au Facebook. Soleil a pécossé, sous enfants pour courir tourner. J'ai femme à pétra cassé, pas connu quand l'y était. Les ligues nouvelles sont en coulée, sous enfants fin décédé. Et crier, il fin envoler, allez, allez, pas pour retourner, il fin envoler. Et à ce moment-là, Sandrine, tu vas nous dire une deuxième maman pour moi-même. Et là, elle a contacté moi. Nous avons fait un petit cover pendant le confinement. Okay. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé, tout a débuté. Et là, avec l'année, toutes les années, nous avons un nouveau portage, nous enregistré. Mon premier enregistrement, c'est contre M. Désiré François. Et il est bien passé. C'était moi, mais nous, parce que Désiré François, ou dire Monsieur Désiré Monsieur François. Désiré François. C'est que mon comprend sa rencontre là, d'un moment, quand on nous a dit, pour une fois, pas Chatan, pour une Monsieur non, Désiré non, François. Et ça a une timidité, après ça ne finit pas une jam. Exactement. Quand on trouve la première fois, qui ou dire où là, parce que c'est quand même Désiré François. Au début, on est un peu timide. Comme si, pour me demander la tête, moi, je dis, on n'est pas là, auteur, pour rencontrer avec Monsieur Désiré. Mais à la fin, nous trouvons un monde bien humble et bien gentil. Il demande beaucoup de conseils musicaux, qui comment mon business santé dans ce studio. Mais à la fin, tout passe bien. Même quand nous faisons un petit jam chez Sandrine, et c'était bien. Et on a eu l'occasion pour sentir avec un musicien de Cassia aussi. Oh, exactement. Et sa fusion-là, comment elle fait sa rencontre avec sa grand musicien là derrière? Ah, là aussi, il y a une autre portage. Chacun peut mettre ce petit coup, chacun ajoute ce petit bout, chacun peut donner cette idée qui est capable de mettre là-dedans. Et moi, je dis, je peux guetter parce qu'il ne voit pas trop. Au début, quand tu peux rendre un studio pour une première fois, tu te dis, comment j'ai besoin de guetter, tu vas apprendre avec moi. Là. Voilà, je suis bien content de l'expérience. Comme tu as nous causé, on a beaucoup d'humilité. Et on est humble, on est simple. Exact. Et bien souvent, quand nous causons avec un jeune artiste, je dis à nous, c'est un retour qui vient assez souvent. Je rentre dans la musique parce que mon papa tient santé avant. Oui. Mon maman a typé santé.
Mais où les particuliers, on dit moi qui est dans la famille, parce qu'il n'y a personne qui est dans la musique. Non, non. Et où même, on commence la musique ouais. comme ça même. Mm-hmm. Comment on commence la musique ou comment on découvre la musique et surtout comment ça est accueilli à la maison par les parents? Ça veut dire au début, comment le dire, un petit karaoké, très, très petit, quand même, là, 8 ans par là. Mm-hmm. On commence à entendre une petite chanson sur YouTube, etc. Et moi, je me rends compte que mon mari est content ça. Ok. On commence à santé, arrive à un certain âge, disons à 15 ans, on écrit mon première santé envolée. Et après, mes parents commencent, ils sont partis trop. On veut dire. Ils ont fait un nouveau comme c'est dans la famille. Mm-hmm. Mais avec le temps, ils sont contents. Ils sont contents, écoute, qui m'a fait santé. Et enen, comme avant qu'il m'accueille sur le plateau, on a un petit peu de vidéos, un petit peu de commentaires, de fans. Ouais. Et une question que je trouve souvent, beaucoup de gens me posent la question, mm-hmm. qui est Megan? Beaucoup de gens me disent, c'est la sœur de Mel, tout le temps ensemble, elle a une petite ressemblance, elle sort ensemble, elle ouais. comprend tout le monde, elle est là, c'est un moment, quand on peut santé, on peut faire un bac, elle connaît, tout ça ouais. où tu es. Nous bien synchronisés, comment dire. Qui est Megan, justement, pour Mel? Alors, Megan, c'est, comment vous dire, mon petit acolyte. Megan, nous connaît depuis Marie l'époque. Disons, 11 ans. Ouais, on nous connaît depuis dans First. Ok. Et nous grandissons ensemble, nous avons l'école primaire, nous avons le collège ensemble. Et. On nous dit, on commence santé avec lui aussi. Les gens commencent à écrire en santé, ils demandent un petit coup de main, nous santé ensemble. Et nous venons au coin, moi je dis ça. Nous avons marié complicité entre nous deux. Mm-hmm. Au moment où vous avez dit que vous avez fait ça, ils connaissent, vous avez fait ça. Ils marient fusionnés entre nous deux. Ouais. Mais pour donner la réponse clairement, ou Banfan, c'est pas aussi. Non, c'est pas moi aussi. Megan, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Et moi, c'est dans les cœurs. Et c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. Nous revenons l'eau envolée. Oui. Quand le titre envolé finit sorti, malheureusement, tu as un malheureux accident de sa période que ça te sorti là. Tu as un pêcheur à Bombouveilleux qui dit une mot en mer. Oui. Et sa santé là, une sortie, il vient comme un hommage à sa monsieur qui est mort en mer. Et quand nous comprenons qu'il vous écrit ça depuis bien avant. Ouais. Mais à l'époque, qui vous écrivez ça ou qui t'inspire ou dans ce moment-là? Et une situation assez pareille que dans le sud, quand je restais. Ok. C'est un petit garçon qui t'est noyé. Et à ce moment-là, moi, il sortit bien, touche-moi. Kenzo, vous êtes écrire. Moi, bien content d'écrire. Mon passion, mon mari content d'écrire. Il aime écrire. Avec les temps, moi, j'ai besoin de faire une santé. Et là, c'est comme ça qu'il a envolé une nez. Mon écrit elle avant, après, on met un chili, là, là. C'est comme ça. Et à ce moment-là, il me fait envoler. Et envoler, une sortie, ou courrier, décoller. Exactement. On voulait tout la scène. Ouais, après beaucoup d'années. Et une petite particularité encore qui, Wena, c'est que ou content, ban ancien santé. Oui. Quelle est la raison derrière le fait qu'il ou content écoute ban ancien santé? En gros, si mon content ban ancien santé, il plutôt. Ban santé, là, il y en a plus morale. Okay. La piste morale et ben parole là il est plus puissant comme si et c'est pour ça qu'il me soit j'ai ben ancien santé et mon référé dans mon façon ben reprise comme si même si ben j'ai mon oublié santé là comme si je revive je réécoute les à travers dans mon version. Et un autre chanteur local particulier qui inspire ou quand vous trappe au plim pour créer une santé? Quand je trappe au plim, pas vraiment, mais je suis bien content l'écriture Zulu. L'écriture Zulu? Oui, Zulu. Et Mel, après le projet Envolé, je comprends, non, comment le projet peut venir? Là, c'est le grand décollage. Mm-hmm. Est-ce qu'il est possible pour nous connaître un petit peu? Qui va le projet encore peut venir après Envolé? Ça veut dire, après mon premier single Envolé, mon deuxième single, c'est un afrobeat qui peut venir très très bientôt. Et ensuite, puis ma nouveau chanson qui peut venir encore. Ouais. Et nous avons l'occasion pour get le clip envolé. Si je peux get le clip, capable get le sur YouTube envolé par MLMP. Nous trouvons une jolie prise d'image, un petit endroit sérieux. Comment ça se passe quand vous faites au premier clip officiel ou capable dire? Comment ça se passe quand vous vivez ce moment?
faire un clip, rester devant caméra, parce que nous connaissons quand on fait un clip, ça s'en était plusieurs fois pour Oh avoir les ouais. meilleures images. Comment on vit ça? Déjà quand on commençait, nous parlions beaucoup, comment vous dire. Pas nous avons filmé beaucoup. Moi, déjà quand on est là-dedans, un coup des coups là-dedans même. Ouais, moi, j'ai une fille. Et moi, j'étais avec moi des camarades aussi. Et voilà, une fille, tout passe bien. Un autre sentiment que tu connais, tu peux faire ton premier single, ton premier devant une caméra. Commencement, il y a un peu timide, mais après, correct. Alors même nous avons l'occasion, cause avec vous, nous comprenons qu'ils sont contents maintenant sur la santé et content l'écriture Zulu. Et qu'on écoute en volée, nous trouvons une certaine sensibilité dans l'écriture. Est-ce que si vous avez un projet d'album, est-ce que l'album serait un album conscient? Dans quelle direction vous allez? Mopena un style spécifique, mais mon envie comme si écrire différents styles de De chansons, chansons, ouais. Et à ce moment-là, on fait différents styles de musique aussi. Ok. Oui, comme Sega, Maloya, tout comme très bientôt, on peut faire un Afrobeat. Et voilà, comme si on vise partage différents styles de qualité de musique avec. Tout en restant dans où la force qui ou la voix et où sensibilité Exactement. d'écriture. Ouais. D'accord, Mel. Et Mel nous connaît qui ou une réussite sortie derrière l'écran ou vient la scène. Normalement, il n'est pas facile normalement pour faire ça, Ouais. mais quand on finit faire dit l'ONCL go, qui message tu peux na pour ban artiste, ban zen ou peu importe qui pégé tout ce soir, qui vient envie zotique ma ou franchir le cap. Ça veut dire, mais ça, ce qui m'a envie de dire, c'est pas hésiter. Vous gagnez une telle opportunité, mais aussi vous besoin pas trop pressé. Mon jeune apprend le après nous galoper. Du coup, si vous n'êtes pas prêt aussi, des fois, nous pas capable forcer un gymnase pour lui faire un nouveau pas aussi. Du coup, vous êtes besoin prêt, mais si vous êtes connaissez, vous envie de faire. Mais. Allez là, Persévérer. persévérer dans la musique et foncer. Vous permettez-moi de reprendre une petite phrase qui nous dit quand nous avons une conversation après la pluie dans le soleil. Après la fin d'un Après soleil, la pluie dans à le la lila. soleil. Mel, merci beaucoup fin sur le plateau de l'Express. Merci d'avoir accordé nous ou les temps, nous capables de causer avec vous pour découvrir un petit peu l'univers musical. Nous souhaitons tout plein de succès au projet. Merci beaucoup. Et nous connaissons qui bientôt pour nous des affaires venir comme on dit Afrobeat. Exact. Et tout le monde qui get l'émission ce soir, vous êtes capable de get le clip envolé qui est disponible sur YouTube. Mel MP, un artiste très 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 prometteur. Nous garantissons pour nous les autres projets encore qu'ils sont capables de découvrir avec nous sur l'Express Maurice. Merci, je finis de suivre ça l'émission là ce soir sur le plateau. Et avec moi dans l'équipe, je veux remercier Patrice Lajoie, Abel Pell et tout le monde qui a contribué pour rendre ça l'émission là possible. Restez connectés sur notre page Facebook, l'Express Maurice, et sur notre site. Je vous garde tout en exclusivité, en information et surtout, prochain invité pour nous l'émission. C'était Stewart Yeson avec eux. Merci et bonne soirée.